Le mot Bafo USA, qui a eu l'idée au vu de la gravité de cette pandémie qui est le COVID-19 et qu'il faut prendre en main nos parents au village, puisqu'il faut céder vivant. Et dans ce cas, dans le cadre de cette réunion, nous avons décidé, sous l'impulsion de sa présidente, Madame Jometio, de distribuer 3200 savons et 4000 masques aux parents. Et aujourd'hui, vu qu'il est, en tenant compte de la distanciation sociale, on a dit qu'il faut juste que les représentants de chaque quartier viennent, se retrouvent ici à la chefferie, tel que vous voyez. Chacun va rentrer avec le paquet de son quartier et distribuer à ses populations. Le chef s'y est beaucoup impliqué, a fait des invitations. Et pour que ça fasse plus grand, le chef a aussi ajouté la même quantité de ce que nous avons apporté. Et nous avons apporté tous ces 52 cartons de savon. Le chef a ajouté aussi plus de 50 cartons de savon. Ce qui permet de couvrir tous les 109 quartiers de Bafo. C'est là où je salue cette grande vision du chef et cette, sa grande sympathie pour son peuple. Nous, on ne pouvait pas donner à une partie et refuser l'autre. Le chef a aussi compris. Et puisque vous étiez appelé à faire le porte-à-porte pour distribuer, est-ce qu'on peut savoir s'il y a l'effet de taxi pour ceux qui viennent ou bien... Bon, on était disposé à faire le porte-à-porte initialement. Et on a dit que ce porte-à-porte présentait beaucoup de risques de route. Et on va avec le chef, le taxi, de chaque chef de quartier qui est venu pour le transporter. Mais notre association là aussi prévu. Mais il faut qu'on. Environ combien par personne? Le montant par personne. Initialement, si nous, on se limitait à 50 personnes, on devait avoir 2500. Mais on est à 100. Le mot Bafo des Usa, c'est quoi? Le mot Bafo des Usa, c'est un des ressortissants Bafo qui sont aux États-Unis, qui se sont regroupés dans une association, cette association. Ils sont majoritaires, vraiment basés à Maryland et à New Jersey. Mais les Bafo qui sont dans d'autres États, sont aussi membres, et la majorité est à Maryland et New Jersey. Ils ont eu comme leur tout premier président, c'était Mohamed Singham, donc Victor,
Vous avez vu quand on faisait le dernier Lumu, tout le matériel qu'on avait apporté. L'avant-dernier Lumu. En 2013. Le matériel qu'on avait apporté sous son impulsion. Matériel médical, scolaire, sportif et culturel. Cette fois-ci, la nouvelle présidente, Madame Yumetio Ernestine, elle s'est investie avec son équipe, avec ce matériel. Le Lumu compte actuellement autour de 100 membres. Parmi lesquels. C'est la seule association de la diaspora Bafou aux États-Unis? Non, c'est pas la seule association de la diaspora Bafou. Parce que souvent on a confusion entre diaspora Bafou, Network, Zal, Bafou. Il y a d'autres associations. Bafou, vous savez que c'est la multitude qui fait la grandeur des populations. On ne peut pas avoir une seule association de Bafou, il y a plein d'autres. Sans doute eux aussi feront leurs gestes. Mais pour l'instant, je me concentre sur la nôtre. La prochaine action du Lumu Bafou des Usages. Bafou des Usages est toujours soucieux du développement du Bafou. Donc depuis 2013, eux ils réfléchissent sur quelle autre action ils vont venir faire. D'envergure au village. Le projet au Bafou, ils sont en train de réfléchir dessus. C'est vrai que là, il faut qu'on réfléchisse, pas qu'on tourne. Et le Covid-19 est venu au milieu comme un grain de cheveux dans la soupe pour perturber les choses. Parce que personne ne s'attendait. Il y a un an, chacun avait son plan d'action. Mais Covid est venu tout bouleverser. Il faut jouer à l'urgence tout de suite, terminer avec le Covid-19 et aller maintenant voir, continuer le plan d'action. En 2013, vous avez mobilisé, le projet était évalué à plus de 85 millions. Oui. Le malade à l'hôpital, quand il est là, quand il a la maladie, il ne faut pas attendre que la maladie évolue beaucoup pendant qu'on est en train de collecter les moyens. C'est qu'on a dit ce qu'on a tout de suite, on vient avec, et après, on continue, on va en donner d'autres. Un mot à l'endroit des milliers de personnes qui vont vous suivre à travers le monde. Les bénéficiaires. Au Bafou, de manière générale. Le Bafou, de manière générale, c'est que j'ai essayé depuis que je suis au village hier. Je me suis renseigné un peu, j'ai vu qu'il n'y a pas assez de masques. Non, mais il y a des quartiers qui n'ont personne n'aime passer par là pour leur donner un masque. C'est chacun qui confectionne sa part. J'interpelle les Bafou. Que chacun pense à Bafou globalement, qui pense à venir faire quelque chose, et que chacun pense aussi pour que cet impact sonne à son quartier et à Bafou globalement. Puisque quand on vient ici, là, nous donnons à la chef, on va donner, le chef va rentrer, peut-être ça va faire juste une partie du quartier. Si les enfants du quartier se mobilisent aussi pour compléter dans leur quartier, finalement, tout Bafou, tout le monde à Bafou sera complet. Et aussi, pour que quelqu'un se trouve, il faut respecter les mesures d'hygiène et de distanciation édictées par le gouvernement et l'ONS. Ce qui nous tue le régulant, c'est ce qu'on dit le candidaton. Mais là encore, il y a ceci, il y a le deuil ici, comment je ne vais pas aller, c'est là où tu parles. Il faut savoir que s'il y a eu un problème maintenant, c'est Dieu qui l'a voulu. Et maintenant, Dieu a voulu que les gens n'assistent pas. Tu restes chez toi, quand ceci va finir, tu iras faire tes conveniences. C'est le message que nous passons aux parents, ce n'est pas ce que nous passons. C'est si nous protégeons les parents et en sortant nous-mêmes chercher la maladie, ce qu'on va nous contaminer et contaminer les parents. Donc on se trouve, il faut respecter ces mesures. Et aussi maintenant, il faut céder, comme j'ai dit, étant vivant. Ceux qui sont morts, si on leur dit de venir aujourd'hui sortir même 100 millions pour distribuer, sauver les vies, vont venir, mais ils ne peuvent plus. Donc que personne ne dise que ce qu'il va donner là est petit. J'interpelle nos élites qui nous montrent à mettre la main dans la pâte. Ne dis pas que certains ont donné et je ne vais plus donner. Que chacun donne 1 million. Merci. Yeah, wait.
Je suis sûr que tu ne l'as pas.
Allez, venez ici derrière. Vous demandez que quand même vous déjà. Parce que j'ai actuellement vu sur le chinois. Il faut la gagner pour être bon et tout. Et moi, j'ai gagné du Lyon. Faut que tu. Moi, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné du Lyon. Moi, j'ai absent. Tout protégé, chérie. Moi, je vais vous dire, venez-moi, je vais vous dire, pourtant, mon gars, Ok. Là, il fait un peu. Tu te mets À l'espace d'un mètre en arrière et en avant. Tu veux n'en pas, mais elle hésite si après un mètre. Père Bingo dit, moi Bingo dit non, on ne va pas, mais j'ai une tacle de mi. Bingo dit, on a encore un truc, un permis et il va. Et monsieur Soukoubi, je disais que les sièges ont été placés à l'espace d'un mètre en respectant toutes les distanciations sociales. Et j'ai été obligé de séparer par les enfants et les autres bacs à eau, comme vous voyez. Maintenant, quand j'étais là, ils ont un peu modifié parce que chacun voulait s'asseoir à côté de son ami. Ça fait un peu de petits soucis que nous voyons aujourd'hui. Actuellement, monsieur Soukoubi, d'abord, vous pouvez vous présenter de suite parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, on a demandé n'est pas, on ne peut plus de 50 personnes. Mais c'est toute une communauté qui donc vont recevoir les mêmes ordres que nous avons tout le monde dit. Ce qui fait que les services seraient comme si on fait écarté d'autres pour parler de ce projet. C'est pour ça que je voulais m'excuser, monsieur Soukoubi, que vous avez beau voir la distance un peu plus grande que le nom que l'État a demandé, mais comprenons que juste parce que nous avons mené une action qui est très collective et qui doit se supporter comme ça. J'ai fait pour moi, l'État était très grand, j'ai pris des dispositions que chacun puisse. Être à l'aise après notre réunion. Et je voudrais dire, merci, monsieur le sous-préfet, nous allons engager avec nos pourparlers qui ne vont pas certainement durer parce qu'eux-mêmes savent que j'ai programmé qu'on devrait nous assister entre 11h et 11h15. Et là, je me permets de présenter certaines excuses dont nous allons se passer parce que notre programme étant établi, on était obligé de joindre le programme du préfet et du sous-préfet. Qui donc, normalement, on devrait être ensemble avec M. le préfet. Il a un empêchement parce que l'État laisse les commissionnaires au niveau de Bafoussam. Selon ce qu'il est qu'il a appris, je pense qu'il ne dévoile pas. Ben voilà, c'est un peu la raison pour laquelle nous avons accusé notre retard pour notre assise. Donc, je voudrais dire d'abord à ma maman que, pour me t'attendre,
comme des jours pour me t'accompagner pour les seigneurs pénantiaires et toutes les hyperistes et leur technique menette. Voilà, on doit tous si vous vous profitez pour que vous me dites, 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 mais, pas si je me dis que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire que je Est-ce que c'est pas ça? Voilà que on doit rester avec notre calme et toute notre sérénité pour faire les assises avec ceux qui sont dedans. Et pour dire que je veux tout le monde me perdre. Et pour dire que je veux tout le monde me perdre. Pour tout le monde me perdre, je ne me barre pas. Donc je suis en train de me perdre. Et les points, il y a 1014, tu vois. Parce que bon, maintenant, il y a un mot de compagnie. Maintenant, il y a un temps pour. Et pour une chaîne vraie, une chaîne de dodo. Vous pouvez dire que vous avez un peu de temps. 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 Voilà, merci. Je crois qu'on va commencer. Monsieur le maire, distinguée personnalité, Leur Majesté, l'ordre du jour prévu pour cette cérémonie était le suivant. Dans un premier temps, nous devons passer à l'exécution de l'hymne national, suivi immédiatement de l'exécution du chant patriotique Bafou, puis du mot de bienvenue adressé par Sa Majesté le roi des Bafou, ensuite le mot du représentant des donateurs, c'est-à-dire les organisateurs de la cérémonie de ce jour. Ensuite, ce sera la présentation des dons. Après quoi, suivra le mot, j'allais dire, la réaction du chef de terre, le numéro 1 de notre arrondissement. Et ce sera la fin de la cérémonie. Sans plus tarder. Sauf si monsieur le sous-préfet a convenance. Légère modification de cet ordre du jour, étant donné que le magistrat municipal ici présent devrait en principe avoir son mot à dire. Nous sommes chez lui. Il s'agit du mot de monsieur le maire, ici présent lui-même. Si vous avez convenance, nous nous mettons debout. On adopte l'ordre du jour. Adopte. 2, 3 et chant. Amen.
À Monsieur Nzonga Célestin,
qui est troisième adjoint au maire, et à M. Nivoga Pierre, quatrième adjoint au maire, qui m'ont apporté leur contribution. Je vois ce que j'avais aussi dans ma poche, que je puisse compléter les 52, les 37 le cartons de savon et les 52 autres à 107 cartons. Je voudrais dire. Notre adjoint, il est bel et bien à côté de moi, mais il était un peu loin parce que l'action si a commencé que samedi. Et nous sommes juste un mercredi. Vous voyez que je n'ai pas pu les joindre, mais les autres qui m'ont rencontré sur les chemins hier ont apporté leur contribution. Pour dire, monsieur Ngombo, je rejette. Deuxième adjoint, mais il ne se voit pas se sentir lésé parce qu'on n'a pas appelé à l'aide. Monsieur le préfet, on a invité. Oui, j'ai dit que le groupe Somar Femme nous a permis d'acheter 37 cartons de savon et que j'ai complété par nos exécutifs qui sont ici devant nous. Monsieur le préfet, honorable député, je sais que votre programme était trop chargé parce que là, on vit encore avec l'ancien temps. Le programme du préfet était très chargé, mais je me suis permis de poursuivre le programme du préfet, mais que lui, je devrais lui rappeler c'était pour la bonne cause. À savoir venir remonter notre population, la population bafou, à surmonter la pandémie du Covid-19. Je voulais pas là remercier M. le préfet, M. le sous-préfet, pour cette disponibilité qu'ils ont fait montre, parce qu'ils n'ont pas hésité. Je vais vous dire, si vous allez vers le sous-préfet, je vais lui donner l'information seulement, ce n'était pas pour qu'il vienne. Mais tout le monde, il me l'a démontré par A plus B que non. Pour nous, on avait déjà dit un 102, jamais un 102, qui devrait être à nos côtés. Je voudrais dire merci grandement à mon sous-préfet, qui donc, malgré que c'est hier que je lui ai donné l'invitation, il n'était pas dans son bureau à cette heure, il était à Pécamichel. Il est rentré, il a tout changé de programme pour être avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous dire un grand bravo à notre sous-préfet, qu'il veille toujours à nous accompagner de cette sorte. Je voudrais rappeler à M. Soubefé que ce n'est pas la fin de nos actions. Demain jeudi, je serai dans la salle-ci avec une poignée d'autres personnes qui vont être sélectionnées tout à l'heure, en fait, pas par moi, parce qu'ils vont être sélectionnés par la communauté bafou de l'Angleterre. Il faut qu'on se retrouve encore ici demain. Mais par contre, l'autre grande rencontre qu'on devra encore faire, c'est le 8 mai. Le 8 mai, certainement, je vais vous donner une autre invitation. Si j'ai le numéro de téléphone, peut-être je passerai par là, pour vous convoquer encore ici dans cette salle, pour la deuxième partie de la communauté bafou qu'on appelle le BDL, Bafou Diaspora Leader, qui donc vont aussi faire un autre don. Je ne me connais pas encore la qualité, le contenu de leur don, mais ils le feront aussi. Pour vous dire que nous qui sommes au village, il y a beaucoup de nos fils qui souhaitent vraiment que nous soyons en santé. Que Dieu nous permette de les recevoir plus tard quand on va ouvrir la voie aérienne pour qu'ils viennent nous trouver. Je dis grandement merci à tous ceux qui sont venus. À tous ceux qui ont compris le message. Et que je n'ai que faire mon petit mot de bienvenue. Le maire et toute la commission qui donc, commission hygiène va se charger de vous dire comment est-ce qu'on doit se protéger. Mais tout au moins, vous voyez que je porte un masque et j'en ai distribué moi-même parce que je suis tenu à ce que tout le monde soit en santé. Je voudrais dire bienvenue et que nous ayons tous une santé de fer pour demain. Merci. De nos donateurs, ce mot sera dit par notre ami, notre frère, notre fils, M. François Dorfa, par ailleurs président du DIBAF. Nous sommes tous les membres. Le mot Bafou, États-Unis. C'est un de mes artisans, mon gros, et puis on me dit que mon gazan, il y a un long gros métier.
Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le conseiller, bonjour. Je suis très honoré de représenter la communauté Bafou des États-Unis, notamment le mot Bafou Bisa. Vu l'ampleur du Covid-19, vu son incursion dans les communautés et vu l'état de nos parents à combattre cette pandémie au village, nous nous sommes dit qu'il faut s'aider quand on est vivant. Et on devrait apprêter suffisamment de moyens, mais la maladie n'attend pas. On s'est dit ce qu'on a aujourd'hui, on apporte, on commence à combattre la maladie et après on continue à faire à apporter plus de soutien. Comme Sa Majesté vous a dit, nous nous sommes réunis dans notre réunion, le Mobafu États-Unis. On a préparé ces 52 cartons de savon et les 4000 masques. La préparation n'a eu qu'une semaine. On devrait faire mieux si on se préparait pendant un mois. On a apporté ce petit matériel. On s'est aussi renseigné. On a vu qu'il y a déjà eu suffisamment, peut-être pas encore suffisamment, des campagnes de sensibilisation. Et qu'au village, j'ai constaté que les gens savent déjà qu'il faut une distanciation. Les gens savent déjà qu'il faut se laver les mains plusieurs fois. Il faut tout ce qu'on fait, se laver les mains et avoir les gels. Mais il faut aussi maintenant les masques. Et qu'il faut renouveler régulièrement. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur les masques. Il faut se laver les mains, il faut le savon. Nous avons fait ce premier tour. Madame la présidente de l'Union États-Unis m'a dit de vous remercier et vous sensibiliser sur le respect des mesures édictées par le gouvernement et l'ONS. Comme je disais tout à l'heure, peut-être d'ici quelques jours, je ne l'ai même pas encore dit à Sa Majesté, et vous le verrez, on va revenir peut-être quelques jours, semaines, on veut faire du lourd. Parce que les gens, il y a le dépistage, il y a du bien à l'hôpital, il faut au moins des thermoflages, il faut ceci. On y pense, pas, peut-être dans une semaine ou deux semaines, je serai encore là, avec l'équipe. Nous, on est en train de penser. Mais pour aujourd'hui, nous avons ceci. Merci à Sa Majesté et à d'autres donateurs qui ont complété ce don. Puisque nous, on était à 52, Bafou n'a pas seulement 52 quartiers. Sa Majesté a complété. Nous disons très grand merci. Je ne saurais prendre assez de temps parce que je sais que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons aussi quelques calendriers que certains ont. Ceux à qui Sa Majesté va donner, ça va aller, puisque ce n'était que 50 en an. Donc si quelqu'un ne reçoit pas le calendrier, qu'il ne dise pas que on lui a refusé. C'est là. Parce qu'on avait au départ prévu 50 par quai. Au départ, c'était même 15 par quai. C'est ça. Et c'est donc pas dans la loi, 50. On devrait même venir sur 15 personnes avant que Sa Majesté. Vraiment, je vous remercie. Je dis encore une fois, merci, monsieur le sous-préfet, pour être venu honorer cette cérémonie. Merci à monsieur le maire. Je sais que nous viendrons le voir pour beaucoup d'autres actions au village. Merci à tous les habitants. Que l'on apporte au plus haut niveau municipal. C'est là, ça ne fait pas longtemps. Leur Majesté, les chefs de village, leur notabilité, les chers invités, je suis très heureux d'être ici en ce jour à l'occasion de la cérémonie de remise de dons initiée par un groupe d'élite du groupement Bafou aux États-Unis. Très heureux parce que
sentant le danger, nos frères qui se battent à l'extérieur ont dit comment faire pour vaincre le village, étant donné que les ponts sont coupés, il n'y a plus de voyage, mais la modernité a fait qu'on peut voyager autrement et ils ont pu nous rejoindre pour pouvoir faire des gestes salvateurs pour nos populations. Ces gestes nous vont droit au cœur et la mairie est très heureuse d'accueillir ce don qui vient aider, nous aider, n'est-ce pas, à améliorer la santé et à prévenir le mal, comme vous l'avez dit, comme l'a si bien dit le chef, qui est déjà avec nous. Ce n'est plus ce que nous entendons, mais nous vivons déjà ça aussi. Et je ne peux faire que remercier et prier le représentant de nos frères qui sont aux États-Unis de bien vouloir leur transmettre nos remerciements. Et comme ils annoncent d'autres choses encore, je dis bien que ça sera la bienvenue. Nous espérons, il est vrai, la mairie a initié, d'autres donateurs ont initié des choses de base. Le chef supérieur lui-même, il a été modeste pour ne pas le dire, mais il a déjà distribué près de 6000 masques. N'est-ce pas, à nos populations. Majesté, nous vous remercions. Je crois que l'action du chef a été galvanisatrice, n'est-ce pas, pour les élites qui ont dit que, mais, et si le chef se lève, nous autres, même vous l'avez, vous voyez, donc, je disais, chef de terre, que leurs actions sont les bienvenues et nous encourageons toutes les bonnes volontés, n'est-ce pas, qui nous aident à aider nos populations. Je ne vais pas être long. Je remercie le chef de terre et sa suite. Je remercie tous nos parents parce que je sais que chacun a beaucoup d'occupations, mais ils ont compris que nous sommes aussi ici, c'est pour leur bien-être et autres. Les actions que nous menons, moi, Chimoura, les actions que nous menons pour dire que nous faisons plus le grand marché, ce n'est pas pour détester nos parents. Nous sensibilisons. Mais les gens ne comprennent pas. S'ils pouvaient respecter les distanciations, ça passerait. Mais comme on ne peut pas parler à une grande masse, c'est pourquoi nous disons ici là que tant que nous pouvons nous sauver, sauvons-nous. Nous sommes. Bien, je ne vais pas être si long et je souhaite que ces gestes continuent. Et je remercie tous ceux qui, auparavant,
n'est-ce pas, ont initié des actions et ceux qui vont encore les initier, qui ne disent pas que c'est eux. On va toujours faire un geste. Vous voyez que tout l'exécutif, Nguyen-Mer, comme les adjoints, Nguyen-Mer, tu n'as pas à Zinga, est une caméra. Nguyen pas fond, Nguyen là. Mais oui, nous, 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 c'était d'abord initialement pour s'interroger combien c'est quand il s'en sa majesté à la vie. On a scindé et on a prévu d'autres écailles là pour que quand chacun va prendre, il va prendre, on va lui donner les savons qui sont ici. Il y a des autres cartons qui sont là que sa majesté a placé. Ce qui fait que en ajoutant, on a ajouté tout ça dessus. Vous voyez, les sauts déjà avaient les noms que le groupe que j'ai dit. C'est tout ce matériel que nos modestes moyens, nos modestes personnes de l'USA et de la mairie et d'autres fils parfois nous ont dit que nos enfants parfois qui sont dans une vie parfois, ils ont aussi déjà fait beaucoup de choses au village, ils continueront. Ainsi que cela. Mais pas de côté de la rabat. Mais pas pour le pouvoir faire. Mais pas pour le côté de la rabat. En 2009, il y a eu un enfant qui a fait 5 000 euros. Avec moi, pour moi, tu vas avoir plus de 5 000 euros. Il y a eu un enfant en 2009, moi, président du comité d'organisation. Le comité technique d'organisation. Donc, à quelqu'un qui a fait un enfant, il y a eu un enfant. Pour le fouiller, 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 pour
Il tombe, il est là, ah, mais il a plus de le grand. Je suis un peu plus de temps. De très dynamique chef supérieur pour ce geste humanitaire qu'il vient de poser à l'endroit de nos populations.
Je voudrais leur demander d'aller de l'avant tout en multipliant les secteurs. Si nous avons commencé maintenant par la santé, nous devons suivre par le social qui peut être dans le cadre de l'hydraulique villageoise. Parce qu'on nous demande de nous laver les mains. Est-ce qu'on ira à la rivière puiser de l'eau? La rivière se trouve à quelle distance de nos habitations? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, certainement dans un avenir très proche, à faire des forages au bénéfice des populations pour dire nos populations souffrent déjà la prochaine action que nous allons mener de concert avec la municipalité, les forces vives d'ici, sous la houlette de l'autorité administrative, sera certainement de faire quelques forages dans quelques localités. Cela pourrait encore apporter plus d'affection à nos populations et beaucoup plus de soulagement. Voilà le message que je peux porter à l'endroit de nos frères et sœurs de la diaspora et bien sûr à tous les donateurs. À la fin de cette journée, que nous voulons remettre entre les mains du Seigneur tout en leur demandant de continuer à les assurer de l'avant. Ils vont bénéficier de nos prières, de notre soutien au niveau du village. Nos populations feront bon usage de tout ce qu'ils ont à leur disposition. Voilà le message que je te leur prendre. Nous voulons avoir vos impressions par rapport à la sensibilisation que vous menez dans votre communauté depuis le début de cette pandémie. Est-ce les populations sont de cette vie? Est-ce que ça vous fait? Oui, un mot, je suis satisfait, mais à moitié, parce que elle continue à venir les jours de marché. Or, nous évitons les grandes affluences qui sont les lieux par excellence de rapprochement et puis de la grande contamination. Or, ce Covid-19, n'est-ce pas, la prévention vaut mieux, est le meilleur médicament. Et donc, il n'y a que ce point-là. Mais sinon que la population est déjà consciente. Et avec l'apport des élites et tout ce que les élites apportent comme don, vraiment nous pensons que les choses bougent. Mais déjà nous voyons, constatons les ports de masques, même dans le quotidien. Donc je pense qu'il y a espoir. Surtout que les élites comme celles qui viennent nous secourir, et le chef supérieur lui-même, Bafou qui donne l'exemple, le chef supérieur va aussi donner l'exemple, et tout avec le concours des élites, tout le monde sait que nous sommes en danger, et la mort n'épargne personne. Sur ce point, vous êtes un peu heureux au vu de la crise? Oui, très heureux. Nous encourageons tous nos fils, tous nos frères, toutes nos sœurs qui pensent encore qu'ils peuvent faire quelque chose, de venir, il n'est pas tard. Vraiment, c'est nous les encourageons et nous les remercions pour toute leur bonne volonté. Vos fils surprennent leurs parents à travers ce geste. Nous voulons avoir vos impressions, comme dirait quelqu'un à chaud. On va d'abord dire que ce n'est pas une surprise parce que c'est notre devoir en tant que fils de regarder nos papas. Donc ce n'est qu'une continuité parce que quelqu'un qui ne pense pas à son père ne va pas se lever un bon jour pour dire que j'ai commencé à penser à mon père depuis 2 jours. Donc certainement c'est une des actions qui donc sont en train de faire en continuité. Mais on devrait se permettre de dire merci, bravo à notre fils de le Mouisa. Donc on également mis en public, dit au public ce qu'ils pensent de leur papa au village. Je vous laisse exhorter que ça m'a fait beaucoup plaisir. Je dis merci du côté de nos fils, nos papas, nos populations qui ont reçu ce don. Elle fait comprendre que malgré tout, on voit que la population est encore là en attente. Pour dire qu'ils ne vont pas croiser les bras, pour dire ceux qui n'ont pas pu faire les dons aujourd'hui, ils ne devront pas dire que tout est fini. Il faut qu'ils sachent que les papas sont encore là, les mamans sont encore là, même les enfants. Donc, ils veulent aussi recevoir de ces dons entre les mains de leurs grands frères. Je voudrais dire bravo à eux,
dis merci aussi à Samuel qui donc m'a soutenu dans cette action, à monsieur le maire qui donc de hier que je les ai parlé, chacun a dit ah je mets ma main dans la poche pour voir ce qu'il va on va trouver. Pour dire j'ai joué mes deux bouts en atteignant toutes les populations Bakou de l'Angleterre. Mais je mets encore la chance pour demain parce que demain la population le Bakou de l'Angleterre devront encore me rencontrer pour faire une famille similaire. Et mardi et vendredi le 8, il y aura BDL des États-Unis qui donc vont aussi faire des dons pareils. Je parle encore la quantité et la qualité même. Mais je voudrais d'abord dire merci d'abord à tous ceux qui donc ont voulu que les familles comme ça se passent en leur présence. Aussi Dibafou Bafou n'a pas resté de. Madame Kojedi qui a d'abord commencé parce qu'il faut dire que c'est elle qui avait commencé à envoyer les affiches qui donc sont portées dans le groupement Bafou, sont affichées dans le groupement Bafou. J'ai dit grandement à elle, notre ma foi, la Mandimi, que nous tournons beaucoup à elle, il faut qu'elle continue dans ce genre d'action et que vive les sociétés SOMAF et SOMAF et quand je dis ça. Aux chefs du village qui ont commencé à vous aider à protéger votre population, voilà. Comme en gros, comme à ces savoirs. Voilà, d'abord je lui dis merci parce qu'il a fallu que quelqu'un puisse prendre la relève de ce que nous avons à cœur. Je voudrais dire merci d'abord à mes chefs de village, chefs de quartier qui donc, après avoir écouté les messages du gouvernement, sont attelés à dire ah, nous prenons aussi les devants pour dire telle ou telle chose à nos populations. Je veux dire que je suis satisfait de que vraiment je les envoie à continuer dans ce moment-là. Pour les médias, pour les transmettre la bonne nouvelle. Merci à vous. Merci. Oui, allô. C'est profond, hein. Qui met ça avec quoi les anges, hein? Vous posez le but avec les anges. Hein? Les buts là vont aller jusqu'au fond. Bon, j'ai d'abord. Thank you.